les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour Dirt Rally Rallycross et je suis en compagnie de The Spirit Bern. Salut à toi Farming Savoyard, comment tu vas? Salut Ben, ça va et toi? Merci. Allez, content de te retrouver sur ce jeu, enfin, hein, je l'avais dit. Ouais, c'est vrai. On en discutait il y a deux minutes, j'étais dégoûté la dernière fois de ne pas avoir pu tout simplement jouer. On avait prévu la vidéo et puis ça n'a pas fonctionné. Bon, cette fois-ci on y arrive. On commence la course, donc on se lance. Vous connaissez le principe, si vous avez été sur la chaîne de Ben, vous avez vu, hein, ça se passe en 3 courses de 6 tours. Sur les 3 différents rallyes, sur les 3 différents rallye cross même plus précisément. Moi je roule en 208 WRX et vous voyez, je suis propriétaire de ma voiture. Et Ben roulera en Fiesta, voilà. Donc, Fiesta, parce que je suis quelqu'un de joyeux, j'aime bien la Fiesta. Allez, on va se lancer. Allez, on se concentre. Ouais, fini de rigoler Ben, hein. Couteau tiré, voilà, donc il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de réglage, il n'y a rien, donc là on est en Angleterre, et c'est parti. Je prends peut-être la tête de course, on n'a pas tout à fait a priori le même schéma même de course, technique. Mais bon, ouais. Voilà, on va voir ça à l'arrivée, qui a le meilleur schéma de course, tout simplement. Ben, on a fait un petit entraînement juste avant, là, tout simplement pour vous indiquer, il avait le tour le plus rapide et j'étais le plus régulier, voilà, c'est simple. C'est clair et c'est net. C'est souvent comme ça. Souvent le tour le plus rapide, mais je suis pas régulier. Sur un tour, je vais couper une à deux secondes. Donc là, a priori, ça a l'air d'avoir un bon son. Je t'entends bien. J'espère qu'au niveau de la vidéo, ça fonctionnera bien. Ouais, c'est pareil. J'espère que ça a bien marché. Donc, vidéo tournée ce mercredi. Il est 13h30 approximativement. Uploadée pour ce soir, 19h. Vous avez vu sur la page Facebook. Hein, ça a été annoncé. A priori, sur la chaîne de Ben, ça sera à peu près la même chose. À peu près, ouais. Fait moi je t'en rattrape donc ça va. T'as pris ton tour de joker toi. Ouais. Oui. J'ai vu que t'as allumé ton petit carré vert. Alors toujours aussi agréable ce jeu. Je tiens à le dire, je suis invaincu pour le moment. Pour 3 duels, 3 championnats, je suis invaincu. c'est peut-être aujourd'hui que ça va commencer Ben. Juste pour te mettre la pression un peu. Ouais, y'a pas de problème, la pression je connais moi. Si au niveau professionnel, personnel, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est pas évident que t'es derrière et en fait je sais pas trop où t'es, on n'a pas de petite carte. Oh, je suis pas très loin derrière toi. T'es pas très loin derrière, mais t'as fait quand même le tour joker. Donc, C'est la différence. C'est la différence, ouais. Il y a quand même du temps à perdre. Et je joue en manuel. Et il joue, il joue au volant. Ah, au palette au volant. C'est la pépite. Il joue au volant et moi je joue à la manette, ouais, pour petite précision, c'est vrai que j'ai pas le... Et je t'avoue que je tremble, j'ai un peu la pression, j'ai la pression, je le sens, j'ai la moitié la tremblade dans les jambes là. Et c'est pas ton circuit favori ça, il me semble, non. Non, c'est pas celui-là. Mais j'aime bien, ça va, je commence à toujours plus apprécier. J'ai pas de préférence, ouais, je pense que peut-être c'est celui-ci que... Ouais, quoi que y a encore, j'ai envie de dire, ouais, c'est à peu près tout pareil, c'est vrai que c'est pas mon préféré en tout cas, mais... c'est pas trop grave en soi, je les aime tous entre guillemets, mais c'est pas mon préféré. J'ose pas parler, je suis vraiment concentré. Il est concentré à mort derrière, je le sens souffler dans le casque. Ah ouais, là c'est impressionnant. J'ai fait quelques petites erreurs là, ça va pas. J'en ai fait une belle là autour d'avant, moi là, dans le virage précédent. J'ai fait la même erreur aussi. Ça m'a fait. Ouais, je t'ai suivi en fait. En fait, c'est ça, ouais. Quand tu regardes les autres te planter, t'as tendance à carrément aller te faire toi aussi planter, quoi. C'est ça le principe. Et je te promets, ça fait longtemps que j'ai pas eu la pression comme ça. Oh punaise, j'ai les jambes qui flageolent là. Et là, la tremblotte, le Savoy. Ah, c'est pas beau ça. Ouh, mesure tournée. Ah non, c'est bon. Ah bah c'est pas mal. J'ai attrapé le bord de la barrière là. Et ça m'a fait faire un flip. Ce joker là, il est vraiment affreux. J'ai fait un flip en fait. Ah, ce joker là, il est vraiment affreux. Et heureusement, ça a passé. Ouais, ça va. J'appelle pas ça un joker, moi, j'appelle ça plutôt un... Je m'en suis pas trop mal sorti. Ah, c'est une pénalité. Enfin, le principe du joker, je pense que c'est effectivement la pénalité temps, entre guillemets. Mais pas évident du tout, ouais. Là je vais arriver un peu... tu verras dans la vidéo de mon côté. Puisque là cette fois-ci t'étais devant moi, alors c'est ça qui est truc. Ah c'est chaud. C'est chaud, ça roule. Je suis pas très loin, hein. Je suis pas très loin. Je vais te mettre la pression un peu dans les deux derniers virages. Ouais, je vois ça. Oh là là, oh, je l'ai bien pris en glisse celui-là. Ah, ça va être chaud. Ah, ce virage-là, il me met tout le temps la pression, j'ai toujours peur de me retourner.
Ah, je te vois dans mes fesses là. Ah, je suis pas loin. Ouais, mais tant pis, je te conduis en intérieur, c'est ça qui est bien. Moi, ça sera une vidéo complètement en vue extérieure. Tu es en vue de capot en fait. Ah, oui, c'est vrai que t'es vu capot toi, exactement. Ah, je suis juste derrière. Bravo Ben. Donc, ma stratégie de course, c'est pas trop mal. Ah, pas mal, pas mal. Ouais, c'est bon. Ah, ça fait. Ah, tu roules plus vite que moi en plus. Hein. J'ai roulé mieux vite. Ah, ouais, carrément, une seconde plus vite que toi, mais ouais. Bah, je suis derrière quand même. Hein. Ça sert pas grand chose de rouler plus vite. J'ai assuré la chose en fait. J'ai assuré les tours en fait. J'avais un chrono un peu plus lent, mais j'ai assuré, on va dire. Bon, bah, c'est bien. Je touche 3000 crédits quand même. Ah, je savais pas qu'on touchait des rondes. C'est bien. T'as 3000 de crédits ? Ouais, 2200 moi. 3200. Parce que je loue. 3200. Ah, oui, parce que toi, t'as déjà 1500 euros de. De colis, ouais. J'ai une pression. Alors, elle, Norvège. Ah, alors attention, il faut que je me réveille tout de suite, sinon ça va être grillé pour ma tête, on va dire. Et les amis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Farming Savoyard de son côté et à vous abonner. Le lien sera dans la description, le lien de sa chaîne sera dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. Niveau abonné, on se colle en ce moment. On n'est pas loin. Et j'invite également tous les biens à aller faire un tour sur la chaîne de Ben. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, effectivement, lien de sa chaîne et de la vidéo dans la description de cette vidéo. Voilà, on va s'échanger des abonnés. Hein. C'est ça. Bon, allez. Je trouve ça sympa, moi. Ouais, bah. On s'aide mutuellement, je trouve ça sympa, moi. Moi je trouve ça cool, maintenant j'aurais bien aimé qu'on me le fasse au début, tu vois, ouais. Écoute, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Je vais prendre le même schéma de course que Ben, comme ça on va lui mettre tout de suite la pression. Ah la vache, non. Oh, putain. Allez, je suis sympa, j'ai freiné comme un dératé pour pas toucher la caisse. Ah, en moi tu joues fair play, c'est pas comme Nacto. Oh. Ah, j'étais à l'intérieur, pardon. Ah bah après il y a deux écoles, hein. On a dit on joue fair play, bon après ça peut arriver de se toucher comme ça par exemple. Cette micro touchette. Ah ouais non mais y a pas de souci. Mais bon c'est le jeu, hein. c'est le jeu qui veut ça. Ah bah tu m'en fumes, je vous vois. Ah c'est mieux d'être devant. J'ai loupé mon virage. Oh bah voilà. J'ai loupé mon virage tellement tu m'en fumais. Là j'ai pas pris vraiment rien. Allez c'est parti, on se lance, on a pris la tête, on a déjà fait le tour Joker, donc ça c'est pas mal. Et à la base c'est mon circuit favori. Hein. C'est ça que tu préfères. Ah, c'est moi j'aime bien aussi celui-là. Ouais, j'aime bien celui-là et j'aime bien aussi l'autre. Alors ça c'est Norvège je crois, ou Suède, j'en sais rien. Ah, l'autre c'est une horreur, j'aime pas du tout l'autre. Moi le dernier là. Allez ma petite 208, on roule français. Farming français, vous connaissez. Allez vas-y, on roule à fond, là je roule à fond, hein. J'ai plus rien à perdre. C'est pas François le français, c'est Farming français. Si vous connaissez Farfang, moi je suis américain. Ah ouais, attention. Donc j'ai, bah pour ma part, hein, les abonnés, j'ai pris. Ah! J'ai pris American Truck, ça y est, donc j'ai juste tâté ce matin pour voir un peu ce que ça allait donner au niveau graphique. Donc c'est bien, mon PC supporte bien, hein, je suis sur PC portable, moi perso. Très très joli quand même, hein, très très beau jeu. Franchement, donc, ouais, bah, il faut décor, que ça. Joli. Après, ça reste un Euro Truck pour moi. Ça reste ETS2 américain. Alors ce que je faisais déjà moi en fait avec American Trucker, voilà, je roulais sur ETS2 avec des camions américains. Mais bon. Exactement ça. On va dire que ça fait un peu de fraîcheur, c'est un peu de nouveauté. Si je peux me permettre quelques critiques sur ce jeu. Bah, tu peux. Ils l'ont repoussé d'un an le jeu. Pour faire deux états, une toute petite carte et deux véhicules, c'est vrai. Je trouve ça un peu obligé. Je suis un peu d'accord avec toi. J'espère que, comme j'ai entendu déjà dans certaines vidéos, j'espère que ce sera pas tout des DLC payants parce que sinon le jeu va revenir cher. Oh la vache. Ça va faire mal au cul. Ça va revenir à l'intensité. Là, je suis à ton cul là. Ah, je pense, ouais, parce que je roule tranquille quoi. Enfin, je m'applique quoi. Je roule tranquille, c'est pas. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas vraiment. Moi, j'envoie du steak. Bah, j'envoie du steak. J'essaye de rouler propre. Sachant que la dernière course, c'est la course que je déteste le plus et j'arrive vraiment pas à rouler dessus. C'est pas fait exprès, hein. J'ai pas choisi l'ordre exprès pour Ben. Hein. Tu m'as analysé avant. T'as tout analysé, t'as regardé. C'est pas fait exprès. Hein. Allez, il y a de la bonne glisse, ça roule bien là, c'est propre, c'est beau. À 6, ça doit donner par contre. Hein. Ouais, mais le problème c'est que ça fait. On peut pas jouer à 6 en fait. Tu peux à 4 ou 4 maximum. Ah, oui, il me semblait, après, ouais. Ça fait des groupes, tu vois. Je sais pas si t'as déjà vu quand tu joues en solo, ça fait des groupes, tu vois. Ça fait pareil, ça fait pareil. D'accord, ok. C'est 4 maximum. D'accord, bon, mais le 4 c'est déjà pas mal, hein. Ah ouais, non, mais c'est déjà pas mal. Bah, c'est sûr que déjà, du multi sur ce jeu-là, sur le Rallycross, c'est vrai que c'est plutôt sympa parce que ça donne une nouvelle ouverture change. Au jeu. Ouais. C'est vrai. Parce que c'est vrai que le Rally, c'est vraiment brut de décoffrage et c'est sur ce jeu-là, en tout cas, c'est vraiment pas évident. Parce que faut vraiment avoir. Putain, non, je sais pas comment me punir, hein, tu vois. Mais le rallycross, c'est vrai que c'est sympa. C'est sympa, donc. J'ai vu qu'il y en a qui se sont lancés aussi sur Sébastien Loeb. Bon, je trouve ça. Ouais, j'ai vu ça. Après, je sais pas. Nettement moins bien.
Ouais. Graphiquement parlant, c'est quand même beaucoup plus arcade que celui-ci. C'est clair. Celui-ci est peut-être trop simulation, je vais dire. Et encore, quoique, mais l'autre est vraiment arcade. Hein. J'ai vu, c'est moins beau, c'est moins fin. Là, tu fais. Je tente le tout pour tout. Ah, voilà, je peux pas, c'est mort. Ah, Ben, c'était ton circuit favori. Ah, c'est vrai. Ah, ouais, c'est pas mal, un partout, hein, je suis pas ridicule. Ouais, un partout, que, ouais, c'est vrai. Bah, je suis juste à ton cul. Hein. Ça fait. Ah, ouais. Et t'as le meilleur temps, hein. T'as le meilleur temps. Ouais, j'ai battu mon record sur le tour. 5-10e. Je roule en 37-200 d'habitude. J'ai battu mon record sur circuit. Ah, bah tu vois comme quoi je te motive en plus, hein, c'est vrai. Ah, ouais, non, mais c'est vrai, tu motives vachement. Je fais le lièvre. Franchement, les amis, là je perds, j'avouerai ma défaite parce qu'il roule franchement bien. Et de plus, on roule sur mon circuit que je déteste le plus en dernier. Donc, Il faut que j'assure parce que ça fait un moment que je le chambre. Ça fait une semaine que je le chambre. Ouais. Alors, si en plus je prends une draclée, ça fait vraiment passer pour un couillon, comme on dit. Hein. Bon, bah écoutez, revanche, vous inquiétez pas. C'est la belle à Olges, en Suède. Allez, bah écoutez, on va voir ce que ça peut donner. Je déteste ce circuit. J'ai horreur. Je roule vraiment très lentement. Eh ben écoute, on va voir ça tout de suite, je vais pas m'avancer. Moi j'aime bien le circuit, maintenant le deuxième virage tendu là-bas, il faut pas trop serrer parce que sinon c'est ça, retourner direct. Allez, 3, 2, 1, go! Allez mec, ils parlent plus, ils sont à fond. Ah ouais. Oh putain, je sors large. Wow. Allez, plus en dehors de la route. Ouais, je suis revenu un peu fort là. J'étais un peu large, ouais. Et t'es vrai que t'avais une meilleure. Tu t'es servi de coussin chez moi en fait, tu t'es servi de moi en coussin quoi. Ça peut aider, je me sers pas mal, ouais, comme ça en général, des bagnoles. Tu passes tout plein à l'intérieur, comme ça tu t'appuies un petit peu, sympa, hein, tranquille, histoire de rayer juste la carrosserie. Ouais, je suis sur le couloir quoi, tu t'appuies à bouger. Exactement, c'est la couloir du fauteuil quoi. Allez, un pec. Oh, c'est large, ouais. c'est large. Pas mal passé, c'est joli, mais c'est large, c'est pas efficace. J'ai du mal à respirer. On va perdre Ben, il est en apnée. Ah ouais, là tu vas me perdre, là je suis vraiment en apnée. Là. Je vais me mettre un petit pansement sur le nez pour respirer. Ah ouais, pour bien respirer, ouais. Et sportif de haut niveau en plus, hein, ça rigole pas. Hein. Et je suis pas sûr qu'ils en mettent pas en plus dans les sports automobiles. Ils en mettent certains. Ouais. Paris-Dakar et compagnie, je crois qu'ils en mettent. Tu sais qu'en moto, ils en mettent. Ouh. En moto, ils en mettent, moto GP. Ah ouais, bah ça c'est sûr, parce que bon, moi ayant fait un peu de moto, je peux te dire que bon, pas voilà, je fais pas du moto GP, on est d'accord, mais il y a des fois, ouais, la respiration, voilà. C'est plus important la respiration. Ah ouais, ouais. Oh non, ça c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en plus, Ben il a déjà fait son tour de joke. Là, j'ai trop serré, c'est ce que je disais, faut surtout pas trop serrer là. Résultat des courses. Oh putain, je vais passer les vitesses moi. Oh là là, quel con. J'ai loupé une vitesse et du coup j'ai perdu vachement de temps. Je t'entendais là dans le virage, ouais. J'entendais le bruit de la fiesta. J'entendais le rupteur. Ouais, alors je sais pas si j'entendais le rupteur, mais j'entendais en tout cas un bruit de voiture. Alors, vu qu'on est que deux sur le circuit, j'ai imaginé que c'était Ben. Ouais. J'ai peut-être bien imaginé en fait. Ah, j'ai loupé le virage. Ouh, il reste en tête, même le tour de joker. Normalement, je fais ça au cinquième tour, mais j'ai dit je vais me garder deux tours de marge au cas où, on sait jamais, pour savoir un peu où on en est. Ah ouais, mais là, j'ai vraiment foiré mon virage. Trop la pression. Ah, la pression. Ça tue la pression. Et je vais te dire, franchement, je suis concentré, hein. Je fais pas n'importe quoi, parce que d'habitude, je suis peut-être... Ah, je sais pas si je suis moins concentré que ça, mais en tout cas là je suis concentré pour pas faire le guignol. Hein. Oh, j'ai coupé le virage, non. Ah, pénalité. Il va recevoir une pénalité, ça se trouve. Ah, ouais, des fois tu sais pas tout de suite, c'est ça qui est con. C'est qu'ils vont étudier ton cas, hein, en tant que commissaire et des fois t'es puni. Ah ouais, je vois ça. J'espère pas être puni parce que j'ai vraiment pas coupé l'arche quoi. Ouais, des fois ils sont pas trop chiens, j'ai envie de dire, en général. Ouais, c'est le problème, c'est des fois tu freines un peu, la voiture elle part en glisse, t'as du mal à la reprendre et puis c'est là que tu coupes le virage, tu coupes pas réellement intentionnellement. Voilà, intentionnellement. J'ai pris un virage, je t'en prends moins une seconde là.
Oh punaise, le virage, j'ai jamais pris aussi vite de ma vie. Ouais, c'est vrai que je suis obligé de regarder ta vidéo parce que là t'es dans ta vidéo, enfin je suis sur ma voiture, dans ma vidéo, et c'est vrai que tu sais pas du tout, vu que t'es derrière, je sais pas du tout où t'es, ce que tu fais, c'est même pas évident en fait. Des fois il vaut peut-être mieux être derrière, bon enfin être derrière ça veut dire que t'es pas devant non plus, mais... Ah je suis vraiment à ton cul, oh putain j'ai pris l'arbre. Vraiment à ton cul quoi, j'étais vraiment à ton cul. Il léchait mon pare-choc, mais... il est tout sale. Ah ouais là, je te suce le pare-choc carrément. Hop hop hop. Ah putain, ça aurait pu être une opportunité. Ça aurait pu faire hein. Ça aurait merde. Pu... Et ça aurait pu faire. Eh, the winner is Farming Savoyard. Alors, oh bah on tend autour pratiquement la même chose, 3 dixièmes. En plus, t'as un bonus d'un point. Pas grosse chose. De 4 points, ouais. Ouais, mais bien joué, franchement. Ouais. Bah bravo, Ben. Ouais, toi aussi, c'était un beau... C'était propre. Ouais, c'était propre, c'était courtois, c'était gentleman, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Amélioration turbo, progression 30%. Et bah écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé en tout cas cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à regarder la mienne, bien évidemment. Laissez le pouce bleu, le commentaire comme d'habitude, et puis vous abonner, liker la page Facebook et l'abonnement à la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas, surtout, je laisserai également le lien dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à dérouler la description, parce que souvent on me dit, t'as pas mis. Déroulez la description. Vidéo de Ben dans la description et je vous invite grandement à aller le voir. Vous verrez la course d'une autre manière et puis vous abonner à sa chaîne YouTube également pour ceux qui ne le seraient pas. Voilà Ben. Si vous aimez bien les fesses, bah vous regardez ma vidéo. Si vous aimez bien le pare-choc de la 208, c'est bon, c'est ça. C'est là que ça se passe. C'est exactement ça. Je t'avoue, je suis un peu deg. Je suis quelqu'un qui est très compétiteur. Je suis un peu deg. Mais, je sais, je sens. Et si ça te dit, on en jouant une sur le. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, soyons fous, on se fait une petite course tranquille à l'ancienne. Attends, voir. comment je fais? Est-ce que je reviens en arrière? Comment je fais pour ressortir? Voulez-vous quitter le salon? Après, alors, c'est comme tu veux. Ouais, on s'en fait une petite histoire de dire, allez, fermé, on se fait une épreuve, on se fait 10 tours. Ça t'est 10 chaud tours. Allez, 10 tours sur ton circuit, c'est quoi c'est pas Olge, c'est... Ah mais merde, on peut pas choisir de circuit. En vrai, maintenant, j'aime bien les 3, je roule bien sur les 3, donc n'importe lequel. Non, mais on va faire L, tu m'as dit que c'était celui que tu préférais. L, Norvège, ouais, circuit entier. Allez, 10 tours, c'est parti. Et bah écoutez, on y retourne. Allez, je vais changer de voiture pour le fun, je vais prendre la Fiesta, je vais essayer... prendre la Fiesta, je vais... voulez-vous acheter ce véhicule? Non, je veux le louer, moi. Il me laisse un petit bonus d'accord, là, enfin, un petit... il me sent que je suis un peu, voilà. Non, mais je suis quelqu'un qui est très bon joueur, donc il n'y a pas voilà, de problème. Voilà, bah après, on peut mériter ta victoire. Voilà, on peut être compétiteur et accepter, voilà, si c'était propre. Alors, hop, on fait faire comme ça, inviter des amis. Bah, vous voyez un petit peu comment ça se passe, tout simplement, voilà. Vous appuyez sur ce petit bouton-là, vous faites appuyer inviter des amis. Voilà, Ben va me rejoindre, il a plus qu'à accepter, voilà. Lui, de son côté, sur Steam, pour ceux qui ne connaissaient pas un peu ce système-là. Donc ça ne se fait que sur le rallycross, hein, ça ne se fait pas autrement. Voilà, Ben est apparu, hop, je fais commencer. Et on va se lancer, pas plus compliqué que ça. Pour une petite vidéo de 25 minutes, je pense. Ouais, voilà, minutes, c'est un peu court quand même. Ça me paraît pas mal, moi, je pense. Après, c'est pour l'upload. Ouais, ça me paraît pas mal. Ouais, le circuit fait 1000 mètres, tiens, c'est marrant ça. Le circuit fait 1000 mètres. Il ressemble à un petit peu à un zizi, je dis ça, je dis rien. Mais... malheureusement, c'est ce que tu dis sur un peu tous les circuits. Allez. Donc on va... Ah bah on est tous les deux Ford Fiesta. Ah bah on a la même couleur en plus, on n'a pas le choix. Si, on aurait peut-être pu choisir la couleur, mais bon bref. Donc quoi que non, tu crois peut-être pas encore faire. Oula ce petit bruit là, la Fiesta. À côté de la 208, énorme. Allez c'est parti. Donc 10 tours Ben. 10 tours, ça marche. Allez. On va faire comme Ben. Ah. Direct. Je vais lui mettre... Oh, il a passé à l'intérieur. Mais il est mal placé pour celui-là, c'est moi qui suis à l'intérieur. Ah hop 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 hop. Allez, allez. Eh, c'est Fiesta. Ah voilà, c'est la Fiesta. Ah, j'ai une petite revanche à prendre, mais écoutez, j'essaie de rouler propre, les amis. J'ai plus qu'à bosser pour le rattraper. Il est devant. C'est le lièvre, c'est parti. On va voir. Attention, souvent c'est souvent la tortue qui gagne. J'ai 10 tours. La tortue. 10 tours en plus. J'ai 10 tours. Je peux largement me rattraper. Bah on va essayer en tout cas parce que c'est vrai que c'est une voiture que j'ai pas, l'autre j'ai... Oh là là, ça c'est pas du tout pareil au niveau de l'adhérence, mais putain ce boulot. Sachant que l'adhérence c'est vraiment, c'est une voiture qui glisse vachement, donc pour les virages, c'est idéal, moi j'aime bien. Et même, au volant, c'est... ouais, au niveau de la reprise d'adhérence, non ça reprend mieux que la 208, donc c'est vrai que je me suis fait avoir là, j'ai fini en carambolage sur la ligne de départ. Mais bon.
C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Ah, c'est complètement différent. C'est ça qui est bien dans ce jeu-là, c'est que toutes les voitures ont un comportement différent, en fait. C'est vrai. C'est vraiment, d'une voiture à une autre, rien à voir. J'aime, à la base, je suis pas trop jeu de rallye, je t'avouerai. Mais là, j'adhère, franchement. Mais, tu vois, faire des spéciales, j'aime pas du tout, par exemple. Moi, je suis très circuit, machin, mais faire des spéciales, j'aime pas du tout, j'arrive pas. Ouais, j'ai vu que t'avais lancé un peu du F1, alors je sais pas si c'était le 15, mais peut-être le 15 à l'époque, le 14, ouais. Le 15, j'en sais rien. J'ai plein de problèmes d'optimisation en fait sur le jeu. Après, j'ai vu que t'avais essayé aussi un peu MotoGP par exemple. Donc, MotoGP, voilà. J'adore, ouais. Faut vraiment que je le reprenne ça. Moi j'avais fait MXGP, donc plutôt motocross, j'avais bien kiffé. J'ai commencé sur ma chaîne, si tu regardes au début de ma chaîne, je faisais pas du tout de farming, j'ai commencé avec du Call of Duty. D'accord, ah ouais, je suis pas du tout genre de. Voilà. Et j'ai fait MXGP ensuite. Lego Avengers, MXGP, non ouais. Pas Lego Avengers, c'est Lego Aventure. J'adore les jeux Lego aussi, je trouve ça vachement cool. Wow. Ouais, pas mon style non plus, tu vois, mais bon, après, il en faut pour tous les goûts, voilà. J'ai envie de dire. Hein. Exactement. Il faut essayer de se diversifier, parce que c'est vrai que bon, farming, enfin, personnellement, pour ma part, hein, je pense que c'est 10 000 abonnés sur les 12 000, on est d'accord, hein, facilement. Ah, voilà. Si c'est pas 11 000 sur les 12 000. après, c'est vrai que si demain t'arrêtes farming, je suis pas sûr que la chaîne... Moi, je t'avoue que farming c'est ma drogue un peu. C'est un petit peu ma drogue. C'est un peu particulier ce jeu-là parce que bon, j'avais expliqué un peu, je crois que c'était à l'FAQ, pourquoi, comment, et c'est pareil, c'est viscéral ce jeu en fait. C'est bizarre. Je suis obligé de les jouer tous les jours moi. Ouais, alors c'est marrant, mais c'est comme ça. Pourtant, mon frère il me dit, tu joues au tracteur et tout, tu fais la moisson, etc. Il se fout de ma gueule. Mais moi c'est pareil, on se fout de ma gueule aussi, mais. Bon, écoute, après, chacun voit ce qu'il veut. Et quand je lui ai dit que, parce que personne ne savait, entre guillemets, jusqu'à très récemment, quand je lui ai dit que j'avais 10 000 abonnés, il m'a fait « Ah ouais, quand même ouais. !» Ouais, il est tombé sur le cul un peu, le gars, tu vois. Il a dit « Ah ouais, quand même !» Je lui ai dit « Ouais, mon gars !» C'est là-dessus, je te poserai des questions. On se fera le petit truc sur farming. Oui, ouais, donc bon, ça c'est prévu. Hein, donc on en prévu, j'en avais un peu parlé également. Putain, mais tu roules bien, j'arrive pas à reprendre, pourtant je roule pas mal. Mais, Ah ouais, là, je suis chaud. Mais non, j'arrive pas, je te vois pas mieux que ça. Donc ouais, voilà, écoute, prépare ton petit questionnaire de policier et puis... Ah, c'est déjà fait. Ah bon, c'est bon alors. Et puis avec plaisir, voilà, donc il faut que je refasse, il faut que je remette en place un peu le multi, parce que c'est vrai que j'ai un peu délaissé un peu le multi. Moi c'est pareil. De mon côté. J'ai une grosse team et j'ai un peu délaissé le multi. À toi, après, tu fais quand même aussi pas mal de streams, donc c'est vrai que ça prend aussi du temps. Tu peux pas, quand tu fais ça, tu fais pas autre chose. Hein, voilà, Non. J'aime pas la télévision en fait. Je me dis, m'embêter devant la télévision, je me dis, faut pas faire un stream, tu vois. Exactement, faire quelque chose d'intelligent. Et puis, mais c'est vrai que voilà, j'ai découvert le stream, donc moi là, il y a 15 jours maintenant, très 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 bonne expérience, vraiment excellent. Donc, renouveler prochainement, c'est pareil. J'ai des engagements à tenir, donc avec toi, avec d'autres. J'essaie d'abord de tenir ma promesse, ma parole, et puis après on fera du stream, on n'est pas pressé. Hein. C'était le premier, j'espère, d'une longue série, ça s'était pas mal passé, il y avait pas mal de monde, bonne ambiance, etc. Je t'avais promis, je viendrais, je suis venu. Et t'es venu, et t'as tenu parole. Embêté un petit peu. Ouais, t'as bien fait. T'as bien fait. Pas mal de gens avaient dit qu'ils viendraient, ils ont tenu parole, ils sont venus. Merci à vous. Comme d'habitude, je dis toujours merci, mais c'est quand même la moindre des choses. Je réponds aux commentaires, c'est pareil, hein, toujours on me dit, mais t'es un des rares. Je dis, je pense que c'est la moindre des choses. Hein. C'est vrai, moi c'est pareil. Moi en fait, je t'avouerai que sur YouTube, je réponds pas forcément, mais en général, moi comme je leur dis, je fais venez en stream, vous pouvez poser les questions que vous voulez et je vous répondrai. C'est différent. C'est autant répondre, toi qui fais du stream, autant répondre effectivement en stream. Exactement. Ça paraît aussi bien. Maintenant, c'est vrai que moi j'en fais moins, donc je prends le temps de répondre. Alors, c'est vrai que parfois c'est un peu rébarbatif parce qu'on a souvent la même chose, mais bon, ne serait-ce qu'un petit merci. Enfin, en général, c'est merci à toi avec le A+, hein, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, moi je sais que j'aurais bien aimé à l'époque où je laissais des commentaires sur les vidéos qu'on me dise merci d'être passé par là et d'avoir laissé ton commentaire. Ça n'a jamais été le cas, donc Ça fait toujours plaisir qu'un youtubeur réponde à un abonné. Enfin, l'abonné il va être content, tu vois. Que le youtubeur il le réponde et tout. Ça me paraît la moindre des choses parce qu'ils prennent un peu de temps pour toi. Ça. En même temps, tu fais ça pour eux aussi, hein, tu fais pas ça spécialement pour toi non plus. C'est vrai. Voilà. Bon, je crois que statu quo, hein, chaque tour je te vois à peu près au même endroit.
Ah mais je pense qu'on est du même niveau. Ouais, donc s'il y en a un qui passe devant, bah si l'autre fait pas de pépite, j'ai envie de dire, bah c'est comme ça quoi, jusqu'à la fin. Ça fait ça fait 10 tours. La dernière course, tu verras, il y a plein de fois où j'oublie de passer la vitesse. Ah bah ça peut être un peu embêtant. J'ai pas mal de temps. De ce côté-là, j'ai pas trop ce problème-là. Parce qu'avec la manette, hein, je sais pas si... Avec la manette, c'est impossible de changer les vitesses, on est d'accord. Hein. Je sais pas, j'ai jamais essayé les manettes, je peux pas te dire. Il me semble que... Enfin, moi j'ai jamais vu comment, parce que j'ai cru comprendre parfois que... Bah écoute, 37-35, je crois, pour mon meilleur tour, je sais pas par rapport à... 37-329. Tout à l'heure, j'étais... 37-6. Ouais. J'ai roulé 3 centièmes plus lent, là, que tout à l'heure. Ah, ça se tient, hein, 37-3 dixièmes, c'est quand même pas grand-chose. Eh ben écoute Ben, eh ben voilà, ça fait deux partout. Hein, ça fait deux partout, on sera obligé de... On reviendra. Hein. Alors, je vais te laisser t'entraîner de ton côté, je vais m'entraîner du mien, on va encore progresser. Et puis si la pas prochaine fois, par exemple, tu peux également inviter quelqu'un, il n'y a pas que Farming Survivor. Ouais, il n'y a pas de problème, ça marche. Si j'ai quelqu'un également de mon côté, bah pourquoi pas, voilà, je l'inviterai, il n'y a pas de souci. Peut-être Kevin, je crois qu'il l'a, le jeu, donc pourquoi pas, je lui dirai de venir. Kevin Morard, voilà. C'est ça, non? Ouais, Kevin Morard, ouais, mon fidèle lieutenant. Fidèle abonné. Ah, ouais, mon fidèle lieutenant. C'est le premier gars avec qui j'ai joué en multi, c'est un de mes premiers abonnés, c'est peut-être pas le premier, mais c'est un de mes premiers, et bah voilà, c'est quelqu'un, ouais, il fait partie de la famille. Comment on dit? Ouais, bon, ben, merci à toi beaucoup. Bah, de rien. C'est bien français, ça. Merci à toi beaucoup. C'est bien français. Et puis, bah écoute, à charge de revanche, on est à 2-2, note bien. C'est vrai, de je note, hein, t'inquiète pas, j'ai un petit calepin à côté. Ouais, écoute, je vais mettre ça dans un côté de ma mémoire, j'ai encore pas trop Alzheimer, même à mon grand âge, j'ai encore pas trop d'Alzheimer. Merci à toi, à plus Ben, ciao. À plus, ciao.